Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette remote class sur le Chaos Engineering qui vous est proposée en partenariat par Zenicaren et par Chaos IQ. Nous serons donc ce soir depuis nos lieux de vie respectifs et non depuis les locaux de Zenicaren dans lesquels nous aurions bien aimé vous accueillir. Adrien, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc ça, c'est les locaux dans lesquels on accueille les meet-ups d'habitude. Bon, on espère que assez prochainement, on sera capable à nouveau d'accueillir des meet-ups. Mais pour ce soir encore, on va être en remote. On sera ce soir donc deux Sylvain et un Adrien pour vous parler de Chaos Engineering. Sylvain Léguarche de Chaos IQ qui prendra la main sur la deuxième partie de la présentation. Et Adrien Vatez et moi-même, Sylvain Rivero, de Zenicaren, qui allons donc commencer par cette partie introductive sur le Chaos Engineering. Alors, sur la partie introductive, on va essentiellement dérouler quatre parties. Une première partie dans laquelle on va regarder d'où vient ce nom de Chaos Engineering et pourquoi on parle de chaos. Et puis ensuite, on regardera quelles sont les sources possibles pour se renseigner et en apprendre plus sur le Chaos Engineering, comment appréhender, arpenter le chemin du chaos. Et puis, on parlera pour terminer d'outillage avant de laisser la main à Sylvain qui parlera notamment du Chaos Toolkit, mais pas que. Et donc, on commence par essayer de voir pourquoi on parle de Chaos Engineering et pourquoi le choix de ce mot de chaos. Alors, on va commencer par parler très rapidement de théorie du chaos, puisque c'est le mot qui peut venir, enfin plutôt la théorie qui peut venir à l'esprit quand on parle de Chaos Engineering. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur la théorie du chaos, ce n'est pas forcément quelque chose que je maîtrise énormément, mais quand on reste à un niveau assez macroscopique, le niveau définition Wikipédia, on voit déjà des choses émerger dans la théorie du chaos qui vont être aussi retrouvées dans le Chaos Engineering, et notamment cette idée de l'effet papillon, et cette idée qu'on va avoir des causes qui vont générer des effets avec un chemin pour aller de la cause à l'effet qui est pas intuitif, voire carrément impossible à reconstituer. Alors plutôt que parler de la théorie du chaos, je vais parler d'un autre modèle qui parle lui aussi de chaos, qui est le modèle Cinéphine. Donc le modèle Cinéphine, c'est un modèle qui permet de faire de la résolution de problèmes, enfin qui a été créé pour faire de la résolution de problèmes par quelqu'un qui s'appelle Dave Snowden, qui a créé ce modèle avec quelques collègues à lui fin des années 90, alors qu'il travaillait chez IBM Services. Et l'idée du modèle Cinéphine, c'est de dire que pour être capable de résoudre un problème, il faut d'abord qu'on sache dans quel type d'environnement on est, parce qu'en fonction du type d'environnement dans lequel on est, la façon de résoudre le problème ne va pas être la même. Et donc, on va avoir des environnements dits simples, des environnements compliqués, des environnements complexes et des environnements chaotiques. Et à chaque fois, en fonction de l'environnement, la méthode de résolution de problèmes à appliquer ne va pas être la même. Et ce que je vous propose, c'est de faire un parcours rapide ou un parallèle rapide entre ces quatre cadrans du modèle Cinéphine et puis l'évolution des architectures informatiques et des architectures techniques, notamment sur ces dernières années ou ces dernières décennies. Donc, au début, était le modèle simple, le modèle dit client-serveur. Et donc, dans ce modèle, les choses sont simples dans la mesure où on a des échanges qui ne sont pas compliqués à représenter, des échanges entre un client et un serveur. Et on est capable, sur ce modèle, de finalement avoir une vision claire de l'état du service simplement en regardant l'état du serveur, en monitorant le serveur,
On pourrait argumenter que c'est déjà un modèle compliqué dans le sens où, en plus du serveur, il faut aussi regarder la partie réseau. Mais si déjà on se concentre sur la partie serveur, en supervisant le serveur et les différents services qui tournent dessus, on va être capable d'avoir une bonne idée du système et de l'état dans lequel il est. De ce modèle, on a évolué petit à petit vers les modèles d'architecture dits entières. Qui là, pour moi, sont des modèles qu'on peut catégoriser comme des systèmes compliqués. Donc, un système compliqué, le propre d'un système compliqué dans le modèle Cinéfine, c'est que au final, c'est une somme de systèmes simples. Et donc, une architecture entière, finalement, c'est assez souvent une somme de serveurs qu'on va devoir superviser individuellement. Et pour peu qu'on supervise bien également le réseau entre ces serveurs, finalement, en ayant supervisé l'intégralité des serveurs et de leurs échanges, on est là encore capable, en agrégeant les informations de supervision de ces différents serveurs, de dire si le service fonctionne correctement ou ne fonctionne pas correctement. Et tant qu'on est sur des systèmes simples dans lesquels on ne fait pas intervenir de scalabilité horizontale, notamment quand on reste sur du monoserveur, ça reste assez simple. Ça reste une somme de supervision assez simple et d'analyse assez simple qui vont nous permettre de diagnostiquer des dysfonctionnements. Et puis, dans les dernières années, on a vu les architectures se complexifier encore. Notamment pour répondre à des besoins de scalabilité, des besoins d'avoir des infrastructures beaucoup plus dynamiques que celles qu'on avait il y a encore une dizaine d'années. Et là, l'exemple que je vous montre, là, c'est un schéma pris sur Google Images, hein, c'est comment on déploie une application Symfony sur du Kubernetes de telle manière qu'elle soit scalable. Et là, on commence à voir que les liens sont multiples entre les différents composants, qu'au final, on a un nombre d'instances, si on prend le bloc du web app server au milieu, un nombre d'instances qui est variable à l'instant T, la même chose pour les services et job servers. Et donc, on va se retrouver dans des infrastructures, dans des architectures. Qui vont rentrer dans la catégorie des systèmes complexes dans le modèle Cinéfine, parce que dans ces architectures-là, le simple fait de superviser individuellement les différents éléments de l'architecture ne va pas nous permettre de savoir si le modèle, si l'infra fonctionne correctement, et si l'application qui est hébergée sur cette infra fonctionne correctement. Donc, on va être obligé de prendre une visibilité qui est un petit peu plus externe au système, de regarder. Notamment de faire du monitoring de services de bout en bout. Faire juste la somme des comportements des machines ne nous permettra pas de savoir si le système fonctionne correctement. Et puis, au-delà des systèmes complexes, si on ne met pas en place les bonnes approches pour superviser nos systèmes et les analyser, le risque est de tomber dans un modèle chaotique. Et un modèle chaotique, un système chaotique, c'est un système. Donc là, l'exemple, il est tiré d'une présentation sur l'architecture de Netflix. Dans un modèle chaotique, au final, non seulement on ne maîtrise plus finement les interactions entre les différents composants du système, mais on est même incapable de définir un lien entre une cause et un effet. Et ça, c'est ce qu'on souhaite absolument pas, notamment quand on cherche à gérer des plateformes, à faire de la reliability, ce qu'on appelle maintenant du SRI. On ne veut surtout pas tomber dans un système où on est incapable de diagnostiquer les pannes et où on est incapable de savoir si notre système fonctionne correctement ou pas. Donc, ce que va chercher à nous apporter le chaos engineering, c'est un moyen de sortir du système chaotique et de revenir vers un système complexe et d'embrasser ce système complexe et de trouver les moyens de savoir si ce système complexe fonctionne correctement ou pas. Le chaos engineering nous amène à cette vision-là, au fait de repasser du chaos vers le système complexe. Et pour ça, on s'appuie sur un certain nombre de principes. Donc, il y a un manifeste du chaos engineering
qu'on peut trouver à l'adresse Principles of Chaos et qui est traduit dans différentes langues. Et dans ce manifeste, on explique les différents principes du chaos engineering et notamment le fait que le cœur du chaos engineering, ça va être de partir d'un état stable de notre plateforme, donc définir ce que c'est déjà l'état stable de notre plateforme. Et pour savoir si notre plateforme elle est stable, il faut qu'on ait aussi de la visibilité sur cette plateforme. Une fois qu'on a défini notre état stable, on va poser l'hypothèse que lorsque cette plateforme elle est dans cet état et qu'il n'y a pas d'aléa qui arrive dessus, cet état stable il va durer. Et puis on va volontairement aller introduire des aléas dans notre plateforme, aller introduire des pannes, aller introduire des surcharges, aller introduire des latences. Et puis on va essayer de voir qu'est-ce qui est différent dans notre plateforme lorsqu'on y introduit ces aléas, ces pannes, ces latences. Lorsqu'on introduit des éléments qui vont venir perturber le fonctionnement de la plateforme. Et c'est cette idée de base qui est derrière le chaos engineering et qui nous amène notamment à nous poser deux grandes questions lorsqu'on veut réaliser ce type d'approche. La première, c'est comment je me donne de la visibilité sur mon système? C'est le slide suivant. Comment je me donne de la visibilité sur mon système, comment je suis capable finalement de savoir si mon système est dans un état stable, avec une approche un peu particulière dans le chaos engineering qui correspond à cette approche du système complexe de Cinéfine. On ne va pas forcément chercher à regarder finement si chaque élément fonctionne bien. Par contre, on va vouloir regarder si, vu de l'extérieur, le système fonctionne correctement, si notre état stable il est visible vu de l'extérieur. Et puis la deuxième chose qu'on va chercher à faire, c'est à introduire ces fameux aléas, créer ces rides dans l'océan, créer ces gouttes d'eau, et pourquoi pas même balancer des pavés dans la mare pour rester dans la métaphore. Et donc on va chercher à trouver des moyens d'introduire ces aléas et d'observer les changements dans le système. Lorsqu'on introduit ces aléas. Et voilà Du pour coup, moi, c'est à je vais moi de laisser prendre la la main à suite. Adrien. Vous avez Adrien? Impeccable. Du coup, nous allons voir un peu comment arpenter justement le chemin du chaos, comment initier le chaos engineering au sein de notre entreprise et au sein de nos équipes. Bon, la première étape, c'est de rejoindre les meet-ups, hein, de s'intéresser un peu à déjà ce qui est communiqué autour du chaos engineering. Ce qu'on constate, c'est que mine de rien, la communauté, elle est mondiale. Il y en a partout. Si vous voulez aller en France, alors là sur l'image on voit pas qu'il y en a en France, mais il y en a vraiment une en France. Si jamais vous voulez faire partie de la communauté Chaos Engineering, en France c'est que à Paris. Mais ils font des remotes et avec le confinement, toutes ces choses-là, il y a eu des remotes. Un autre point qui est assez amusant, c'est le Google Group, le genre de forum de l'époque, hein, ça existe toujours, ce genre de choses. Et il est quand même pas mal mis à jour, il y a des débats et des choses comme ça. Faut pas hésiter à jeter un coup d'œil à ce forum, c'est quand même très intéressant. Un autre point qui est assez intéressant, c'est ce lien Google qui a été fait par WSNCF, je crois. Où là, en fait, on remarque que tous les grands acteurs, quand même, pratiquent entre guillemets le chaos engineering. Il n'y a pas que Netflix, à chaque fois, on ressort le Netflix, mais on retrouve Facebook, on retrouve Google, on retrouve Amazon, on retrouve Yahoo, on retrouve plein de monde. Et en fait, c'est pas mal de voir ce lien-là. Il faut savoir que tous les liens qu'on a partagés ou toutes les images, on va les rajouter en description de la vidéo un peu plus tard et on les partagera aussi. Mais ce lien Google permet de visualiser toute la stack et de comprendre qu'il y a plein plein d'outils et que potentiellement vous allez trouver ce qui vous plaît ou vous allez potentiellement voir les grands noms du Chaos Engineering. On retrouve d'ailleurs Chaos IQ sur cette mind map. Ensuite, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la maîtrise du chaos. Sylvain, hein, l'a quand même pas mal expliqué, hein, c'est qu'il y a différentes phases au chaos.
Après, il faut quand même être, entre guillemets, pas totalement chaotique tout du long. Il faut se poser les bonnes questions, se poser les bonnes hypothèses, définir un périmètre. Il faut faire tourner justement des expérimentations, vérifier, puis améliorer. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on élargit plus ou moins le scope. Au début, on commence petit, hein, et on rajoute du chaos de plus en plus dans un système dit complexe ou système chaotique, comme l'a montré Sylvain. Il faut bien voir que c'est un cycle. C'est quelque chose qui n'est pas réalisé une fois, juste pour s'amuser. En général, ce qu'on fait, c'est que c'est assez récurrent. Ça fait un peu penser, justement, Sylvain, il parlait de ça aussi, ça fait un peu penser au Qatar, en fait. Donc, pour aller plus loin dans la maîtrise du chaos, il faut réaliser des expérimentations, il faut en réaliser plusieurs, il ne faut pas en réaliser qu'une seule. Il y a les game day qui a été introduit par JC Robbins, c'est l'ex-master of disaster de chez Amazon. Il y a les Days of Chaos, qui est une variante des Game Day de chez WinCNCF. Ça a pour but de mettre à l'épreuve l'équipe et de s'assurer que notre système est entre guillemets résilient. Je pense que c'est un gros coup de sueur pour la plupart des équipes IT. À chaque fois, ça doit être un peu la panique. En général, on préconise quand même de faire ça sur la production, hein. Il faut quand même s'assurer que la production continue à tourner et toutes ces choses-là. La plupart des gens vont vous dire non, on préfère faire ça sur le staging et tout. Mais bon, le meilleur moyen de s'assurer que la prod elle tient le coup, bah, c'est de tester un peu sur la prod quand même. Mais bon, avec parcimonie. Il faut aussi réaliser des disaster recovery testing et pas une seule fois. Ça nous est arrivé tous dans des projets assez critiques, ils se sont dit, oh, on a testé la bascule, on a testé disaster recovery testing avant la mise en production, et après, plus jamais, on n'avait plus jamais entendu parler de ce test-là. Et pourtant, comme je l'ai dit, il faut le réaliser de manière récurrente. Pas seulement une fois, pas seulement avant la prod, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a pour s'équiper pour lancer ces expérimentations-là? Alors, déjà, il y a, sans parler des outils purement techniques, il y a d'une manière de management, entre guillemets, une mentalité. Je pense que on en reparlera un peu plus tard. Mais il faut vraiment se dire que il faut présenter les choses, il faut faire ça d'une manière assez amusante. C'est peut-être un coup de stress pour les équipes IT, mais c'est quand même, voilà, faut trouver un peu d'où le terme game day ou des choses comme ça. Alors, les outils qu'on retrouve les plus connus, hein, c'est l'outil de Netflix, qui a été Chaos Monkey. Il faut savoir que Chaos Monkey faisait partie de Simian Army, qui a été introduit en 2011 par Netflix. Simian Army n'est plus vraiment maintenu. Il n'y a que Chaos Monkey qui est vraiment maintenu à l'heure actuelle. Donc, Chaos Monkey avait pour but initialement d'éteindre. C'est le petit bonhomme que vous voyez en plein milieu de l'équipe complètement tarée de chimpanzés, singes et autres gorilles, qui avait juste pour but d'éteindre des instances EC2. Après, on avait Chaos Kong qui, par exemple, lui avait carrément comme objectif d'éteindre toute une zone chez Amazon. Donc là, c'est assez violent. Latency Monkey, comme son nom l'indique, il avait juste pour but de rajouter un peu de latence au niveau des échanges réseau. Donc tout ça, c'était une batterie de tests qu'utilisait Netflix pour s'assurer que, bah, justement, en production, le service continue à tourner. Je pense qu'on a tous regardé Netflix et à mon avis, pendant le confinement, il y a eu du chaos testing. On retrouve un autre outil assez connu qui ressort, hein, c'est Gremlin. Et oui, c'est toujours assez entre guillemets vicieux, hein, que ça soit le Chaos Monkey ou le Gremlin. Gremlin, lui, c'est une plateforme as service ou software as service. On peut faire du Kubernetes avec Gremlin, mais c'est vraiment tourner software as service. Vous installez vos clients sur vos VM, etc. et vous utilisez quand même le site Gremlin pour superviser le tout. Il est important de se dire qu'il faut pas réinventer la roue et Gremlin peut vous aider aussi là-dedans. Et dans tous les cas, Gremlin, lui, a pour but de tester aussi quatre grands pans, hein, les requêtes, le réseau, l'état de notre système et les différentes ressources. Donc, en fait, on retrouve un peu les différents outils qu'avait lancé Netflix en 2011 du côté de Gremlin. Après, c'est pas du tout la même mentalité. Il y a Chaos IQ avec son fameux Chaos Toolkit. Je vais laisser Sylvain plus tard en parler bien mieux que moi. Un des points que j'apprécie et que nous apprécions du côté de Zenica
pour ChaosIQ, c'est que c'est gratuit entre guillemets et c'est open source Chaos Toolkit. Et ça suit un peu la mentalité de Zenica là-dessus, qu'on favorise l'open source. Si jamais vous souhaitez vraiment vous équiper d'outils au-delà des outils que je vous ai présentés, puisque les outils que je vous ai présentés, c'est les outils les plus connus, il y a énormément d'outils. Et comme toute bonne technique ou toute bonne, on retrouve en fait une awesome list qui liste tous les outils possibles et inimaginables. Vous retrouvez des outils d'ailleurs pour Spring Boot, une Chaos Monkey version Spring Boot. Vous retrouvez le Cube Monkey qui est lui une version Chaos Monkey juste pour le Kubernetes. On retrouve tout le monde, on retrouve Kremlin, on retrouve vraiment la plupart des outils dont je vous ai parlé. Donc n'hésitez pas à aller voir cette awesome list qui est disponible sur GitHub. Elle est vraiment très bien documentée et vous retrouvez la plupart des informations qu'on a fournies durant ce remote class. Les liens utiles, là je vous remontre quelques liens. Tous ces liens-là, comme je dis, vont être partagés en bas. Ils seront partagés dans la description de la vidéo et en plus de ça, on essaiera de partager les slides. Après, vous avez les crédits photos. Puisque bon, on essaye quand même un minimum de citer les auteurs. Et on vous remercie. On va laisser la main justement à Sylvain mieux parler de ChaosIQ et de Chaos Toolkit, en tout cas de surtout du Chaos Engineering du côté de ChaosIQ. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Zenica TV. N'hésitez pas à nous suivre non plus sur LinkedIn et sur Twitter. Merci beaucoup. Là, on voit bien les slides. OK. OK, cool. Donc, je peux me lancer. Parfait. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, oui, je m'appelle Sylvain Aléguarche. Donc, un bon pronom de breton pour ceux qui ne sont pas en Bretagne. Pour ceux qui sont en Bretagne, à mon avis, ce n'est pas les plus courants, sauf si vous êtes de Lorient. Donc, je suis le cofondateur de ChaosIQ et plus principalement pour le sujet de ce soir, le créateur et le mainteneur principal de Chaos Toolkit. Donc, si vous avez des questions à poser, en général, c'est plutôt à moi qu'on les adresse. donc, il ne faudra pas hésiter si vous avez besoin sur Slack, sur le Slack de Chaos Toolkit dans le futur. Ce soir, je vais vous parler donc un peu de Chaos Engineering dans la suite de ce qui vient d'être présenté par Adrien et Sylvain pour essayer de donner une perspective un peu plus grande au Chaos Engineering qui, à mon sens, parfois manque parce qu'il est pris par certains acteurs trop sous l'angle de l'outillage. Donc, on va essayer de dégager quelque chose de ça. Donc, l'objectif de la présentation, alors c'est très formel, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de le rendre ça un peu moins formel. C'est vraiment une présentation sur l'esprit du Chaos Engineering, ce que ça peut vous apporter et puis vers où on peut aller. Par contre, pas de démo ce soir, ça sera la prochaine fois, c'est du teasing, mais comme ça permettra d'en faire une autre et plus orienter des mots. Donc on va partir d'un truc simple, vous avez une entreprise. Dans le cas présent, un restaurant italien, si vous voulez faire un restaurant de kebab ou d'autres choses, comme vous voulez, mais on va avoir un restaurant, c'est notre entreprise. Notre entreprise, elle a un produit, donc là, en l'occurrence, c'est des lasagnes, ce qui donne carrément la dalle maintenant de voir l'image. Et donc on a un plat de lasagne. Donc c'est ça, notre objectif, c'est de produire et vendre les meilleures lasagnes qu'on puisse en ville ou ailleurs, peu importe. Ça, c'est notre objectif en tant qu'entreprise. Bon, c'est un plan d'enfer, c'est assez simple, on fait des lasagnes et on les vend, il n'y a pas de souci. OK. De mon point de vue, en tant qu'ingénieur, là aujourd'hui, dans le contexte qui nous intéresse, j'imagine que votre fournisseur est sûr et fiable, votre matériel est robuste, dans la cuisine tout fonctionne, votre équipe est réactive, au cas où ça ne fonctionnerait pas, mais puisque c'est robuste, ça fonctionne, et vous êtes à l'écoute des signaux négatifs. C'est-à-dire que vous regardez typiquement, je vais dire une connerie, mais TripAdvisor ou ce genre de site pour voir que les gens apprécient ou pas vos lasagnes, ou ça se trouve, n'en parle pas du tout. Vous pensez, vous avez des preuves, et c'est là tout le fond de Chaos Engineering. C'est-à-dire que trop souvent,
Surtout quand on commence à avoir une expérience dans un domaine comme le nôtre, on dit « je sais ». Je sais ce qui va se passer. Le problème du verbe « savoir », c'est qu'il est extrêmement flou, parce que « savoir », ce n'est pas « prouver » nécessairement. Maintenant, si vous avez des preuves, c'est tant mieux, évidemment. Mais en général, quand on dit qu'on sait, on s'appuie sur notre expérience passée pour dire « voilà ce qui va se passer ». Mais est-ce qu'elle est vraie ? Donc, des preuves, c'est ça qui nous intéresse. Parce que sinon, comment vous basez vos décisions sur quoi, en fait ? Sur une expérience passée. Et donc, c'est ça qui est important. Sur quelle preuve vous basez vos décisions ? Quand je dis décisions, elles sont multiples. Elles peuvent être complètement à niveau business, c'est-à-dire que ce n'est pas des lasagnes qu'on doit faire, mais c'est des spaghettis ou des pizzas. Mais elles peuvent être aussi purement techniques. C'est-à-dire qu'on utilise un four à bois plutôt qu'un four à pierre. Voilà. Alors, je sais que mon exemple, ils sont triviaux et puis absolument pas reliés au software, mais ce qui m'intéressait ici, c'est de sortir justement de ce contexte pour éviter de se prendre la tête sur les détails de « j'ai choisi tel langage plutôt qu'un autre ou tel framework ». Donc là, la question, c'est de se dire comment je fais pour avoir des preuves, en fait, de tout ce que je fais. Alors, j'imagine que vous êtes des équipes extrêmement modernes et puis qui font tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, vous avez des tests dans tous les sens. Vous faites votre recette. Comme on disait tout à l'heure, vous faites tout ça avant la recette, probablement. Mais une fois que vous avez livré, une fois que vous avez créé votre logiciel et que vous l'avez livré ou qu'il est en fonction, qu'est-ce que vous faites ? Je serais surpris que vous refassiez vos tests d'intégration ou de fonctionnel de bout en bout, peut-être des tests de charge, mais probablement dans des conditions qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas réalistes. Dans mon exemple, dans mon expérience à moi, il y a 15 ans, un peu moins de 15 ans, j'étais testeur de performance dans une entreprise qui s'appelle Marks & Spencer en Angleterre. Et la plupart du temps, quand je faisais mes tests, je savais que la prod tournait sur un énorme data center parce qu'il était en dessous de nos bureaux. Et moi, j'avais le droit, en gros, l'équivalent d'un PC de bureau. Voilà. Donc, évidemment, mes résultats étaient souvent très peu pertinents et ne servaient pas à grand-chose. Donc, l'épreuve, c'est pour ça que je reviens sur la prod, ce que tu disais, Adrien, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans l'idéal, à terme, c'est là où on va faire chercher la preuve parce que c'est là, c'est ce système qui nous intéresse. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrive en prod dès le début. On commence souvent en staging et c'est très bien de commencer là parce que de toute façon, on détecte très vite qu'on n'est pas résistant au chaos, on va dire, ou à la surprise bien longtemps. Donc, autant commencer là. Néanmoins, c'est ce qu'on essaye de faire avec le chaos engineering, c'est qu'on va essayer de trouver des preuves, ici dans notre cas, que notre fournisseur est fiable, que notre matériel est robuste, ce genre de choses. C'est ça qu'on veut montrer. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous adapter. Créer un logiciel, ce n'est pas quelque chose de statique. On n'est plus dans l'époque où je vous fais mon shareware, vous le mettez sur une disquette ou sur un CD. Donc, les disquettes pour les anciens, pour les plus jeunes, on va dire que c'est autre chose. Mais vous mettiez ça sur un médium et puis vous l'envoyez et puis basta. C'est plus comme ça. On sait très bien que c'est plus comme ça depuis très longtemps. Mais l'idée, c'est que votre logiciel que vous avez fourni, il continue de vivre. C'est-à-dire que demain, il va avoir une condition qui va changer. La raison pour laquelle Chaos Monkey a été créé par Netflix, elle est simple. C'est que si vous avez utilisé AWS quand il a démarré, il y a 10-12 ans, vous vous rendez compte que les machines C2 étaient très souvent disparaissaient. Et à l'époque, Amazon ne vous donnait aucune raison. De toute façon, c'était comme ça, vous étiez dans le cloud, c'était le risque. Donc, ils ont appris de ça en se disant, puisque de toute façon, ça va arriver, autant qu'on le prévoit et autant qu'on le force. Donc, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et aujourd'hui, effectivement, ils continuent de le faire, mais leur soft est tellement bien préparé à ce type de panne que c'est transparent. Ils ne le s'en rendent pas compte, mais ils continuent de le faire. Donc, ça, c'est important de vraiment se rendre compte que c'est, comme Adrien disait, c'est quelque chose de récurrent. Donc, c'est un protocole, en fait, le chaos engineering. C'est un protocole qui vous a été montré dans les diagrammes précédents où on développe une hypothèse et on recherche des preuves sur ça. Donc, l'hypothèse qu'on a dans le cas de notre client actuel, c'est, enfin, notre contexte actuel, c'est qu'on sert N portion à base de produits frais quotidiennement. Voilà, ça, c'est notre hypothèse à nous de base. Les conditions expérimentales, c'est ce sur quoi on va varier. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ici ? C'est de se dire, si une de ces conditions varie, est-ce qu'on est toujours capable de répondre à cette hypothèse ? Si ça, c'est ce qui nous importe, est-ce qu'un changement dans cette condition, qui est une liste très courte, est-ce qu'on a un impact dessus ? Donc, mettons qu'on n'a pas de livraison aujourd'hui.
Peut-être qu'on a suffisamment de stock depuis hier et qu'on considère que ça répond au fait que c'est frais malgré tout. Par contre, si on n'a pas de livraison pendant 3, 5 jours ou peu importe, est-ce qu'on peut toujours considérer qu'on est capable de faire du frais? Est-ce que frais, ça veut dire que ça a été cuisiné du jour, mais avec des produits qui datent d'il y a 4 jours? Donc ça, c'est des questions qui sont importantes en fait, qui vont au-delà du test. C'est-à-dire, le test, souvent, on a une condition qui n'est pas d'ordre systémique. On est en train de regarder la réponse à un stimulus, mais on cherche concrètement, comme disait tout à l'heure Sylvain, à un point très spécifique, on regarde la réponse. Là, on regarde une réponse globale. Pourquoi ? Parce que si je prends l'exemple que le fournisseur, enfin, pas de livraison aujourd'hui, une des réponses qu'on pourrait avoir, c'est simplement qu'on va acheter les produits ailleurs. Et à partir de là, notre hypothèse potentiellement est toujours résolue. Donc, c'est ça qui compte, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a une hypothèse sur notre système, sur ce que fait notre système, tel qu'il réagit d'un point de vue clientèle, tel qu'on est capable de répondre à une demande clientèle. Par contre, on regarde les conditions expérimentales et on cherche des preuves là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ensuite, on mesure et on collecte des données parce que c'est ça qui va nous permettre d'analyser un peu le système. Donc là, le nombre de portions réalisées. Donc typiquement, si la livraison était trop faible en quantité ou en qualité, est-ce que j'ai diminué mon nombre de portions? Alors ça, pourquoi c'est important? Si on reprend sur Netflix, ce qui intéresse Netflix, ce n'est pas de savoir que votre petit service est tombé. Ça intéresse, si vous voulez, l'équipe, mais ce n'est pas intéressant pour Netflix en tant que business. Ce qu'ils sont intéressés, c'est de savoir quel est l'impact sur le nombre de streaming qu'ils font chaque jour. Tant que ça n'impacte pas ça, quelque part, leur business n'est pas impacté. Donc, nous, on a la même chose avec notre restaurant. Tant qu'on a été capable de livrer, de faire ce qu'on cherchait à faire, ce n'est pas très grave qu'au final, la livraison n'ait pas été faite aujourd'hui. On a quand même répondu. Et donc, le chaos engineering, il est intéressant là-dessus parce qu'il va vous mettre dans cette condition-là. Voilà. Je vais aller me forcer dans une condition délétère, turbulente, pour voir comment je réagis, mais ce n'est pas une question de pointer du doigt, on n'est pas là pour faire un audit, vous pouvez, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de savoir comment on réagit, comment on s'adapte. Et ça, c'est à ça que sert, en collectant des données, c'est ça la réponse que vous allez avoir de faire vos expériences chaos engineering. Donc, le nombre d'SIO négatifs, par exemple, ça pourrait être combien d'assiettes sont retournées sur ce service. À ce moment-là, arrivé là, donc j'ai été très vite sur l'idée du contexte dans lequel on fait ça. Comment on démarre ? Il n'y a pas de recette miracle. Je ne sais pas s'il n'y a pas une recette. Il n'y a pas de recette miracle sur le chaos engineering. Il n'y a pas de certification et c'est tant mieux. Ça finira par arriver parce que notre industrie ne peut pas s'en empêcher. Mais essentiellement, l'idée, c'est de se dire c'est quelque chose d'organique. Donc, typiquement, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de prendre note de tout ce qui vous inquiète, de toutes les questions, de toutes vos hypothèses que vous avez aujourd'hui. Et vous vous rendrez compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous êtes soit inquiet, soit vous avez des questionnements. Donc, essayez de les stocker quelque part. Essayez de les mettre, peu importe, document Word, on s'en fiche. L'intérêt, c'est plutôt de les tracer. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à toute l'équipe, et à toutes les équipes, d'émettre leurs inquiétudes, c'est le bon terme, je pense, ou en tout cas leurs hypothèses sur la réaction du système. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez commencer à prioriser. À prioriser celles qui sont importantes. Et vous ne sous-estimez pas, certes, ça peut paraître comme ça un peu trivial, mais une fois lancé, vous allez voir que vous pouvez en avoir des tas et des tas et des tas et des tas. Ce qui est intéressant à ce moment-là de faire, c'est que si vous en avez une trentaine ou une cinquantaine, il va falloir être capable de prioriser un peu, savoir laquelle est la plus pertinente pour commencer. Donc ça, c'est un travail de chacun, de se dire, vous pouvez très bien mettre ça dans un système de vote pour voir finalement laquelle serait le plus pertinente pour l'équipe de démarrer. Mais en tout cas, vous allez devoir un peu discuter et prioriser tout ça. On appelle parfois cet exercice l'ante-mortem. Oui, tout à fait. Au post-mortem, ouais. Tout à fait, exactement. Et c'est un bon exercice. Mais honnêtement, même si vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de passer sur les chaos engineering, rien que faire cette partie-là, c'est quelque chose d'enrichissant pour vos équipes. Ensuite, créer une communauté de pratique. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les vidéos, si vous creusez un peu, qui ont été faites par WeSNCF il y a 2-3 ans sur Chaos Engineering, qui sont vraiment intéressantes. C'est vraiment sur la côté essayer de trouver un ou une championne, ou une équipe d'ailleurs, qui souhaite pousser ça au sein de l'entreprise, qui va faire un peu de lobbying, dans le bon sens du terme. Voilà, il n'y a pas d'équipe Chaos Engineering, c'est un anti-pattern.
On n'est pas là en train de se dire on va créer comme une équipe, je ne sais pas, QA ou X ou Y, on va créer une équipe chaos engineering. La seule potentielle chaos engineering team que vous pourriez avoir, c'est celle qui va faire les outils ou qui va mettre en place l'environnement potentiellement. Mais pas de chaos engineering, de team chaos engineering. Parce que sinon, vous loupez complètement la dissémination en fait, de toute cette approche. C'est-à-dire, ce que vous essayez de passer, c'est l'information de ce qui vous inquiète, ce sur quoi vous faites des réponses et comment vous faites des réponses. C'est vraiment un outil de communication extrêmement puissant. Et si vous le cantonnez à une équipe, vous allez en perdre un gros bénéfice. Par contre, une équipe, une communauté de pratique, c'est une bonne idée, suivant comment vous êtes structuré. Effectuer un ou des game day. Donc, les game day en soi ne sont pas du chaos, c'est pas du chaos engineering, mais ça s'en rapproche. C'est l'aspect, on va dire, non automatisé, encore que vous pourriez utiliser une solution automatisée pour piloter le game day. Le game day est vraiment quelque chose de ludique, extrêmement intéressant. Encore une fois, regardez les vidéos de WSNCF, elles sont vraiment pertinentes là-dessus. Vous pouvez vraiment en tirer beaucoup de choses et assez de manière assez marrante. On a fait un game day une fois où on s'est retrouvé avec une équipe qui nous dit « Ouais, bon, ben, on va faire le game day contre staging. » Et puis très vite, une équipe a dit « Mais là, on a l'impression qu'on est en train de taper sur prod. » Parce que en fait, au niveau réseau, ils avaient très mal isolé tout ça et s'étaient retrouvés à taper sur la base de données de prod. Donc, on trouve des choses. On trouve vraiment des choses. Parfois, on trouve des choses qu'on ne s'attendait, à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis, rinse and repeat, comme était dit par Adrien, on essaye de créer une habitude ici. On essaye de créer vraiment quelque chose qui, un peu comme vous faites du CI/CD, vous faites, j'ose espérer, du test, toutes ces choses-là, ça devient une pratique complètement intégrée dans vos pratiques habituelles. C'est vraiment essentiel parce que l'idée ici, c'est que quand vous travaillez sur une feature et que vous êtes vraiment le nez dans le code et dans votre feature, faire du chaos engineering va vous permettre de vous extraire un peu de tout ça et vous regarder le système comme un tout. Souvent, les gens qui ont fait du test de performance ou de charge ont cette approche parce qu'on regarde du haut et c'est vraiment intéressant. Vous allez apprendre énormément de choses sur votre système si vous faites ça. Mais alors, le protocole chaos engineering, c'est quoi? Alors, il a été très bien schématisé tout à l'heure, bien mieux que mes pauvres bullet points here, ici, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'on pose une hypothèse, on pose une question, on fait des observations en créant une expérimentation et puis on analyse pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Et on recommence. Donc, ça a été effectivement proposé par les ingénieurs Netflix. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le terme est nouveau en soi et le fait que ça a créé un côté un peu moderne. Mais en soi, si vous faites du test depuis longtemps, des bons ingénieurs QA ont cette approche-là, si on leur donne la latitude. Si vous regardez retours de la NASA, même des années 60-70, vous verrez qu'il y a déjà des choses qui s'en inspirent, qui sont vraiment très proches. C'est juste qu'aujourd'hui, on a rendu ça un peu catchy avec le terme chaos engineering, qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. Je fais un aparté ici. Le problème, le chaos engineering est un problème en soi en tant que terme, parce qu'on n'essaye pas de créer du chaos. On essaye d'ingénierer la réaction au chaos. Et c'est très différent. Et le problème, c'est que ça peut être assez tendance, mais ça pose problème si vous allez voir certains DSI vous disent « Mais moi, je ne veux pas créer de chaos. » Ben, tout à fait. Et l'équipe de Netflix ne s'appelle plus Chaos Engineering. Ils sont passés à Resiliency Engineering. Donc, c'est important de savoir que là-dedans, le Chaos Engineering a cette mauvaise presse aussi. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas toujours vendeur, entre guillemets. Donc, d'ailleurs, le terme de Disaster Recovery existe, est antérieur au Chaos Engineering, mais vous pouvez dire que c'est un disaster recovery limité. Et c'est à peu près ça, en fait. Donc voilà, on est sur cette idée d'hypothèse et de recherche de preuves. Alors, je refais un rapide point sur les familles d'outils parce que je pense que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a malheureusement trop d'acteurs qui commencent là et surtout qui sont assez trompeurs en parlant plutôt d'injection de faute que de chaos engineering. Donc, l'injection de faute, c'est essentiel, c'est votre outillage, mais n'est pas indispensable. Donc, typiquement, on a des outils comme Litmus, Gremlin, Pumba, il y en a beaucoup autour de Kubernetes. ToxiProxy, très intéressant, parce que c'est là où vous allez aussi avoir des impacts réseau. Donc, ça, c'est assez. C'est un des gros classiques du chaos engineering, c'est la latence. Comment la latence dans mon système, enfin, impacte mon système en interne. La latence et les erreurs de service. Si vous avez une architecture microservice,
un de mes services répond mal, peu importe laquelle, pour quelle raison, quel est l'impact en domino sur le reste de mon système. Certains, et il y en a très peu à vrai dire, certaines API, donc là on trouve ça chez Istio en tant que service mesh, un jour où les fournisseurs de cloud en fourniront directement des injections de faute, ça sera un grand plus, et ça me paraîtrait assez essentiel, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. À noter que ce dont j'ai parlé au-dessus, la Gremlin, ce genre de choses, sont essentiellement orientés conteneurs. Donc si vous n'êtes pas dans une approche conteneur du tout, ce n'est pas certain qu'il vous soit très pertinent. Dans ces cas-là, honnêtement, un simple bash avec du TC, parce que c'est essentiellement ça qu'ils utilisent comme ligne de commande, c'est TC, hein, c'est l'outil TC, fera exactement la même chose. Ensuite, on a les pilotages d'API. Alors, c'est là où le Chaos Toolkit s'inscrit, on va revenir là-dessus, et je passerai sur le point suivant. En gros, sans vous rendre compte, vous avez énormément d'API qui peuvent vous aider à faire du Chaos Engineering. Si on réfléchit au Chaos, Chaos Monkey, la seule chose qu'il a à faire, c'est de dire faire stop VM dans l'API AWS. Voilà. Mais sauf qu'il le fait de manière aléatoire et potentiellement dans des conditions comme ça. C'est exactement ce que vous pouvez faire. Vous êtes sur AWS ou peu importe quel cloud, vous pourriez très bien vous dire, tiens, je vais limiter mon load balancer, ou je vais basculer d'une région est à ouest, ou là, par exemple, je change la security policy, ce qui fait que si quelqu'un voulait écrire, un service devait écrire dans mon bucket S3, qu'est-ce qui se passe s'il ne peut plus le faire? Ou si je prétends que mon bucket, alors un bucket ne peut pas être plein, mais si, voilà. Vous pouvez aller changer les conditions sans casser quoi que ce soit, en changeant les conditions qui pourraient arriver à n'importe quel opérateur, et regarder ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, vous regardez non pas seulement ce qui se passe, mais comment ça se fait que c'était permis qu'il fasse ça, que la personne fasse ça. Vous apprenez aussi sur ce que vous n'avez pas mis en place, soit comme alerte, soit simplement comme contrainte de sécurité. Donc là-dessus, le Chaos Toolkit, c'est sur ça qu'il se base énormément, mais je reviendrai là-dessus. Et puis le pilotage d'outils spécifiques, parce que ça peut être intéressant, donc Vegeta ou Hey pour faire du test de charge en ligne de commande, qui vont quelque part impacter votre système potentiellement de manière très délétère. Donc on voit bien qu'on va au-delà de simplement casser des choses au niveau des familles d'outils. Le Chaos Toolkit, ça sert à unifier l'UX du Chaos Engineering. Donc, on implémente le protocole dont on a parlé plus tôt. Donc, le Chaos Toolkit, alors j'ai malheureusement pas mis parce que en général, ça rentre très mal sur une slide, mais vous déclarez dans un fichier JSON ou YAML, suivant lequel vous détestez le moins, l'expérimentation. Donc, vous avez un bloc de steady state, donc c'est l'hypothèse de base. Vous dites mon système, voilà, c'est son hypothèse. Alors, pour ça, ce qui se passe, c'est que vous avez utilisé ce qu'on appelle des probes dans le vocabulaire Chaos Toolkit. Et ces probes vont simplement aller requêter le système pour voir est-ce que je suis dans l'état qui était prévu. Donc, typiquement, mettons que vous savez le nombre, encore on revient sur le nombre de plats que vous livrez chaque jour, et que vous avez ça dans Prometheus ou autre, hein, peu importe d'ailleurs où vous voulez chercher, votre probe pourrait simplement être une requête API qui va dire à Prometheus, donne-moi la valeur. Et vous émettez simplement une tolérance en disant, moi je dois être dans cette tolérance-là, si je ne le suis pas, c'est que j'échoue. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la méthode, parce qu'on est dans l'idée de la méthode scientifique, qui va simplement être souvent l'action délétère qu'on cherche à faire. Et d'autres probes qui sont là plus pour collecter de la donnée pendant l'expérimentation, pour l'analyse plus tard. Donc ces probes-là n'ont aucun impact réel sur l'expérimentation, ils permettent juste d'aller chercher de l'information. Et voilà. Et ce qui se passe, le Chaos Toolkit, ce qu'il fait, c'est qu'il joue la première fois le bloc d'hypothèses. Ça sert à dire, si mon système n'est même pas dans l'état qui est bon, je ne peux pas en apprendre grand-chose. S'il est déjà pété, le système, ou dans un mauvais état, de toute façon, mon expérimentation, je ne peux rien en faire. Une fois que ce bloc est passé, il fait la méthode, on change le système, et on rejoue l'hypothèse de base. Et on voit si elle est déviée. Si elle est toujours bonne, alors ça peut dire plusieurs choses. Soit on a posé la mauvaise action, c'est-à-dire qu'on a regardé quelque chose qui n'a de toute façon pas d'impact, ou soit on a une action qui était censée avoir un impact, sur laquelle on avait justement cette sensation qu'il y aurait un impact, et on vient, entre guillemets, de prouver que dans ces conditions-là, on n'a pas effectivement d'impact sur ce qui nous concerne au niveau de l'hypothèse. Et donc, on a appris quelque chose sur notre système. Et donc, simplement ça, Chaos Toolkit va jouer ça tel quel et vous renseigner sur l'état final.
C'est un outil open source, effectivement, comme indiqué, en Python 3. Pour l'anecdote, j'ai choisi Python 3 plutôt que Go parce que on a beaucoup d'extensions qui se sont chargées dynamiquement et qu'un langage dynamique comme Python était plus facile pour ce genre de choses que Go. Mais on s'en sort très bien avec aujourd'hui avec Python. Donc le petit lien en bas, c'est un ensemble d'expériences que j'ai pu jouer qui vous donneront une idée à quoi ça peut ressembler. Mais grosso modo, alors ce GIF va aller très vite malheureusement et on en fera d'autres. C'est une expérience que j'ai faite durant la KubeCon de 2018 où, alors je ne peux pas l'arrêter, je suis désolé, donc il va jouer en boucle pendant que j'explique. Là, ce qu'on avait, c'est un service mesh où ce que je disais, c'est que pour un utilisateur donné, tu vas aller changer la latence, je crois que c'était ça, la latence en fait de cet utilisateur. Et ce que je disais, c'est que normalement, pour n'importe quel utilisateur, je dois répondre en moins d'une seconde. Et je voyais bien que ce n'était pas le cas. Donc, ce qui était intéressant ici, évidemment, l'expérience que j'ai faite était faite pour rater. Mais ce qui était intéressant, c'est de se dire à quel point ma latence a un impact sur mon utilisateur. Et donc sur mon hypothèse que mon système est toujours capable de répondre dans une certaine durée. Ici, alors vous ne verrez pas aussi bien, mais je suis sur Google Cloud et j'ai par exemple à un moment donné une alerte de sécurité qui fait que mon cluster GKE doit changer de node pool, c'est-à-dire doit changer d'instance de VM. Parce que je dois mettre à jour pour des raisons de sécurité. Ce qui va être intéressant ici, alors je ne sais pas pourquoi le GIF est arrêté, mais peu importe. Ah non, il y arrive. Ce qui va être intéressant ici, c'est de se dire, on n'est pas dans une attaque, on est dans une opération complètement légitime et classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de mettre à jour notre pool de machines. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais, on s'est jamais trop posé la question d'automatiser quel est l'impact que ça a sur mon système. Ici, ça n'a pas d'impact parce que Kubernetes fait la chose, enfin, et GKE font la chose bien. Il monte le nouveau node pool, c'est-à-dire mes trois nœuds. Il déploie Kubernetes, ce qui fait que subitement, mon cluster Kubernetes se retrouve avec une nouvelle capacité. Il fait un cordon sur l'ancien cluster. Automatiquement, tous mes services basculent sur le nouveau cluster. Et ça, de manière complètement transparente, ce qui fait que l'utilisateur ne s'en rend pas compte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une expérience toute simple qui nous dit, qui nous renseigne sur l'impact que ça a de mettre à jour un cluster Kubernetes de cette manière. Et donc là, ici, dans ces deux cas, l'expérimentation qui est derrière, qu'on peut trouver en ligne, hein, n'utilise qu'une seule chose, c'est les API existantes de ces systèmes-là, rien d'autre. Ce qui montre à quel point on peut faire déjà des recherches assez poussées tout en utilisant simplement des API qui existent. Donc super, ça a l'air simple, c'est super génial. Mais ici, c'est important, on va basculer dans la seconde étape de la présentation. C'est que le chaos engineering, ça reste un outil. C'est rien d'autre qu'un outil. C'est pas une fin en soi. N'allez pas demain dire, voilà, on fait du chaos engineering, c'est super. C'est pas que ça sert à rien, parce que c'est le mauvais terme, mais il faut vous poser la question, pourquoi vous faites n'importe quelle activité. Et le chaos engineering n'est pas très différent. Ça fait partie d'une aptitude ou d'une capacité, souvent on parle plutôt de capacité, de résilience. C'est-à-dire ce que vous essayez de chercher, c'est la composante de votre interne qui est mesurable, qui doit être mesurée, de votre résilience. Pour revenir à notre exemple plus tôt, c'est est-ce que si je n'ai pas de fournisseur, est-ce que je suis capable d'aller chercher les mêmes produits et quelqu'un d'autre avant que le service ne commence ? Voilà, ça c'est une forme de résilience. C'est comment je m'adapte à la situation que je n'ai pas eu les produits que j'attendais. Et ça, c'est quelque chose d'interne, cette résilience. C'est-à-dire que vous cherchez à mesurer votre capacité de résilience à des surprises opérationnelles. Et donc, c'est un outil qui est approprié. Ce n'est peut-être pas le seul. Vous avez d'autres mécanismes pour mesurer la résilience. Les tests de performance en sont. D'une manière générale, même vos tests d'intégration ou tests fonctionnels pourraient l'être, suivant comment vous les structurez, vos exercices de game day en leçon, tout ce qui va permettre d'aller mesurer comment vous réagissez à une surprise opérationnelle fait partie de ça. Et donc, le chaos engineering, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut automatiser et donc le rejouer. On voit beaucoup dans ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup de gens qui le jouent au niveau de leur CI/CD. Pas forcément au niveau du pipeline de release, ça peut être le cas, comme un test en fait. Mais parfois aussi simplement déclencher de manière aléatoire des tests du chaos engineering en disant on le fait entre 9h du matin et 17h, on va déclencher des opérations de chaos engineering complètement aléatoires
pour voir comment on réagit au quotidien. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est su en avance. On évite de faire ça quand même sur le week-end ou en heure de nuit parce qu'on n'est pas là pour embêter les ingénieurs ou les gens qui sont d'astreinte. Donc ça, ce n'est pas très sympa. Mais on fait ça durant la journée pour voir un petit peu aussi comment on réagit à ce genre de panne, on va dire, de surprise. Donc, si on revient à notre hypothèse de tout à l'heure, où on servait N portions à base de produits frais quotidiennement, en fait, si on bascule Chaos Engineering hypothèse à cette résilience, on parle d'objectifs. Pour ceux qui ont un peu cherché dans le SRE, peut-être vous commencez à voir où on va. C'est-à-dire que si on bascule dans l'objectif, on est vraiment dans cette idée, on peut mesurer, on se donne un indicateur. On est sur l'ensemble des plats. Peut-être qu'on veut 99% de nos portions sont correctes. Alors, c'est pas sur cette... peut-être 99% sur la base de produits frais. Il y en a une portion qui serait, qu'on accepte qui serait des produits d'hier, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est cette notion d'objectif. On commence à progresser vers cette notion de reliability où on va définir plutôt un objectif qu'on essaye de se mettre à nous-mêmes. Où on se dit on est dans quelque chose de mesurable et de tenable. Parce que la résilience n'a pas beaucoup de réalité tangible pour l'utilisateur. Le fait que vous soyez chercher vos produits chez X ou Y, c'est pas, à moins que ça soit quelque chose que vous vendiez en disant mes produits viennent, mon beurre vient de chez Bordier, pour ceux qui connaissent dans le coin, c'est-à-dire vient de chez tel fournisseur, là c'est une obligation. Mais si vous dites juste moi je fournis des produits frais, à ce moment-là, peu importe votre utilisateur, il s'en fiche, il devrait s'en fiche, enfin ne pas s'intéresser à savoir où vous avez été les chercher. Ce qui s'intéresse, c'est ce que vous réalisez, est-ce que vous réalisez la promesse que vous avez faite. Donc, l'utilisateur ou le client s'intéresse à un service, il s'attend à un service et se fabrique une opinion de votre fiabilité. Donc, on parle de reliability. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, c'est que la fiabilité, elle est subjective à l'utilisateur. Et c'est en contraste avec la résilience que vous mesurez vous. Vous ne pouvez pas spécialement mesurer votre fiabilité parce que c'est quelque chose qui est dans l'œil de l'utilisateur, en fait, ou du client. C'est-à-dire que l'utilisateur, mettons que vous faites les meilleures lasings du monde, si votre utilisateur estime qu'elles ne sont pas bonnes ou qu'elles ne sont pas constantes d'un jour à l'autre, parce que, par exemple, vous avez changé de produit ou de fournisseur entre deux, c'est cet utilisateur et ce client qui décide de ça. Vous n'êtes pas fiable d'un jour à l'autre. Pourtant, vous avez été résilient. Donc, on voit bien que, même s'il y a souvent une sorte de mélange entre les deux, c'est deux notions différentes, mais c'est les deux faces d'une même pièce, si on veut dire. Mais vous mesurez votre résilience pour aller vers une fiabilité qui est constante pour vos utilisateurs. Et pourquoi ça, c'est important? Parce qu'elle va déterminer le comportement de vos utilisateurs. Ce que vous voulez, c'est la rétention, la croissance de votre produit. C'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir fait un super service, d'avoir fait un super programme, mais si vous ne conservez pas, si vos utilisateurs ne sont pas confiants dans votre fiabilité, ils vont partir ailleurs. Comme j'expliquais, je pense que ça a changé. Mais il y a plusieurs années, quand c'était encore avant Oui SNCF, ça existait, c'était Voyage SNCF, donc il y a vraiment longtemps, moi, leur service, je n'avais aucune confiance. Je suis basculé sur Trendline, avec qui j'ai eu une confiance constante. Je pense que Oui SNCF s'est amélioré depuis, mais ils m'ont perdu en tant que client. Et je n'ai pas de choses négatives à leur dire. Par contre, ils m'ont perdu. Et donc ça, je pense que c'est important de comprendre. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, le Works on My Machine, il faut s'en sortir de ça. Il faut regarder le fait qu'on a un système avec des utilisateurs en face. Et on a quelque chose de très fluide. On a des choses qui doivent s'adapter. On a des choses qui vont avoir des surprises opérationnelles. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez à ça. C'est-à-dire que vos utilisateurs peuvent tolérer probablement un jour de panne. Vos utilisateurs peuvent tolérer que demain, vous ne puissiez pas générer autant de lasagnes, vous n'avez pas pu. Si c'est quotidien, ils vont commencer à créer une mauvaise opinion sur votre service, et ça, ce n'est pas bon. Par contre, s'ils ont vu que vous étiez capable de rebondir, de répondre à ça, c'est top. Et alors, l'idéal, c'est s'ils ne s'en rendent même jamais compte de ce qui s'est passé. Là, on est dans le top. Et là, on est au niveau de Netflix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netflix, leur avantage sur ça, d'utiliser le Chaos Engineering, c'est que, comme disait Adrien tout à l'heure, pendant que vous regardez Netflix, ils font tomber des choses. Ils ont un impact sur leur propre système. Mais ils en sont tellement bons maintenant que vous ne voyez pas l'impact. Et donc, vous, votre perception de Netflix, c'est que c'est un super service.
Et c'est ça qu'on cherche à avoir. Donc, tout ça, ce n'est pas négligeable. Donc, le chaos engineering, il explore la résilience et mesure la résilience de votre système. Donc, ça, c'est quelque chose que vous faites. Et ça va permettre d'améliorer ou en tout cas de travailler la fiabilité perçue de votre utilisateur. Fiabilité, ce n'est pas que robustesse. Hein. Ce n'est pas de se dire mon service, c'est un tank, il résiste à tout. La fiabilité, c'est quelque chose d'une perception que quand j'utilise votre service, ce à quoi je m'attends, c'est l'expérience que je vais vivre. Voir si elle peut être meilleure, c'est encore mieux parce que renforce mon envie de revenir. Voilà. Donc ça, c'est essentiel aujourd'hui de se rendre compte de ça. Et donc, à mon sens, le chaos engineering s'inscrit vraiment dans les cultures DevOps et notamment SRE. Je dis les cultures parce que je pense qu'elles sont différentes toutes les deux. Elles se complètent plus qu'elles ne se marchent dessus. Et pour moi, c'est dans cette culture-là. C'est cette culture aujourd'hui qu'on a eue du DevOps et des SRE. Ce n'est pas l'idée juste d'automatiser pour automatiser. L'idée, c'était de se dire, on se rapproche quelque part de comment l'utilisateur perçoit notre système et comment on peut y répondre. Et ça, je pense que c'est la culture DevOps et la culture des SRE sont dans la culture qualité de notre infra, de notre service, de notre rendu, de qualité de service. Ça, c'est le fondamental dans ces cultures-là. Et je pense du coup que le chaos engineering est quelque chose d'essentiel parce qu'il va vous permettre d'aller titiller vos certitudes. Et ça, c'est nécessaire à mon sens. On se remet toujours en cause. Donc, le TLTR essentiel, c'est un moyen, pas une fin. Vraiment, ne vous arrêtez pas en disant « ça y est, on a implémenté le chaos engineering ». Oui, mais pourquoi? C'est vraiment ça la question, dans quoi ça s'inscrit? Dans quelle démarche d'amélioration est-on pour faire du chaos engineering? Sinon, vous allez, à mon avis, louper l'aspect essentiel de ça. Donc, il s'inscrit dans les cultures DevOps et SRE, donc j'imagine que je parle au public aujourd'hui. Et puis, il aide à mesurer la résilience pour mieux satisfaire vos clients et vos utilisateurs. Ça paraît un peu pompeux comme ça, mais c'est essentiel. C'est ce qu'on veut, en fait. C'est que les gens... Aujourd'hui, on ne peut pas juste ajouter des fonctionnalités pour se différencier. Il vaut mieux moins de fonctionnalités, mais avoir une fiabilité hors pair. Encore une fois, fiabilité, ça veut dire d'expérience utilisateur, évidemment de robustesse, de toutes ces choses-là, plutôt que de rajouter de la fiabilité, mais tout en étant la fonctionnalité, mais sans promesse de fondement de fiabilité dans le résultat. À mon sens, la fiabilité devient une composante presque plus primordiale pour l'impact sur l'entreprise que les fonctionnalités pour les fonctionnalités. Et donc là, pour finir, parce que c'est la dernière slide, ça sera pratiquer, pratiquer, pratiquer. Là-dessus, je reviens sur ce que disait Adrien, c'est que ça ne se fait pas une fois. Une fois, on a été discuter avec une entreprise qui nous a dit « Ouais, on a fait le chaos engineering une fois, on a détecté des faiblesses, des problèmes, on les a corrigés, puis on n'a jamais refait. Ça suffit. » Ce n'est pas la bonne attitude parce que votre système, encore une fois, il est tel quel, mais d'ici 2 heures, il sera différent parce qu'il y a une nouvelle release d'un autre service, parce qu'il y a eu ci ou ça, et c'est déjà plus le même système. Donc, pratiquez, 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 pratiquez pour toujours aller bousculer vos certitudes sur le système. Et vous allez chercher des données plutôt que vous baser sur « je pense que c'est comme ça que ça marche ». Donc, n'hésitez pas à pratiquer le chaos engineering. Et voilà, ça sera ma dernière slide. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, je suis très preneur de questions. Je pense comme Sylvain et Adrien. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le chat YouTube. Et on va se faire un plaisir d'y répondre. Ah oui, ils sont mis en avant, sachant qu'on va composer avec les 20 secondes de lag. Ils sont peut-être tous partis boire des bières, sinon. C'est possible. C'est le problème de faire ça en remote, c'est qu'on ne peut pas offrir les bières comme quand on fait ça dans l'open space chez nous.
repartages, Sylvain, tu peux remettre ton slide. Ouais, mais celle de Zenica, c'est vous qui hostez, c'est quand même plus logique. Ouais. La première question, c'est un futur workshop de mise en pratique. Ouais. J'arrive. Donc, en attendant, on peut répondre à la question. Donc, un futur workshop de mise en pratique, ben, c'est ce dont on discutait avec Sylvain en préparant la présentation. Oui, évidemment, cette première présentation, elle en appelle une seconde. Quelque chose de plus pratique. Alors, à voir si on fait, si on reste sur une formule en remote avec de la démonstration, voire un peu de pratique, ou si on attend quelques temps encore et pouvoir faire ça en présentiel, ce qui est quand même plus simple pour des labs. Mais bon, on a déjà fait des labs en remote et ça s'est pas trop mal passé. Donc ça peut être une formule aussi. Mais oui. Après, on pourrait essayer une formule hybride, quoi. Soyons fous. Avec des gens sur place qui boivent des bières et des gens en remote qui nous regardent boire des bières. Ça voilà, c'est ça. Nickel, ça. Valide. J'achète. Ok. Après, est-ce que tu peux nous parler du framework? Donc, je pense que la question elle est plutôt pour toi, Sylvain. Oui, alors, ça me fait toujours rire utiliser le terme framework parce que personnellement, je n'ai jamais été très vu comme ça, mais complètement. C'est... La philosophie de Chaos Toolkit, c'est vous êtes les experts et pas nous. C'est-à-dire que le Chaos Toolkit, il est là pour implémenter le protocole. Les expérimentations, c'est vous qui les définissez puisque vous êtes experts dans votre système. On suggère souvent à la communauté de partager les expériments parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens partagent les mêmes questions. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est que comme c'est open source et très extensible, on a beaucoup d'extensions qui sont gérées par la communauté. Tout ce qui va être AWS, Kubernetes, on a celle d'Oracle qui va arriver, on en a du Prometheus, on a plein de choses qui permettent de faire. Et ça, c'est très communautaire. Donc, l'idée, c'est simplement d'arriver et puis de proposer quelque chose, soit une nouvelle extension, soit simplement une expérimente. Et c'est comme ça que la communauté avance. Après, c'est implémenté en Python souvent, mais Chaos Toolkit se permet soit vous le faites en Python parce que vous cherchez à faire quelque chose d'un peu plus UX, mais sinon, vous pouvez juste piloter un process ou faire un appel HTTP et nativement, il le supporte, en fait. Et on commence à regarder, puisque c'est demandé, la communauté demande à ce qu'on soit capable, depuis le process Chaos Toolkit, de charger des extensions qui sont dans d'autres langages comme Scala ou Go ou Rust. Ok. Olivier qui précise dans le chat que le slide des acteurs qui est présenté par Adrien était bien celui qui avait été fait du temps de SNCF par Christophe. Ouais. Christophe et Benjamin ont été vraiment très importants dans le bootstrap de Chaos Engineering en France depuis 2 ou 3 ans, essentiellement. Les questions de Karine, à quel rythme organiser le chaos pour démarrer? Alors, je vais donner mon point de vue, vous avez le vôtre aussi. Je pense que ça dépend sous quelle forme il est fait. Un game day est relativement coûteux pour une entreprise parce qu'il sollicite que les employés soient retirés finalement de leur aspect productif pendant 1 heure, 2 heures. La première fois que SNCF a fait son game day, ils étaient 40, ils ne s'attendaient pas autant et sur une matinée. Donc, ça fait quand même beaucoup d'heures non facturable, entre guillemets, pour une agence. Donc, il faut toujours mesurer ça. Néanmoins, il y a plein d'approches qui peuvent être des petits game day, des petites équipes. On peut aussi faire des game day sans forcément retrouver les gens au même endroit. C'est-à-dire qu'on peut faire que c'est une journée normale et puis on lance un game day et on voit comment tout le monde réagit. En fait, rien que ça, c'est assez intéressant. Et puis après, sur l'automatisation, elle vient assez naturellement. Donc, ça peut être une personne dans une boîte qui va démarrer, en fait, mettre en place des outils, peut-être faire les premières expérimentations et puis montrer comment ça fonctionne. Donc, ça, on peut commencer comme ça, comme on commencerait avec du test X ou Y, en fait. La fréquence, bah, j'ai envie de dire, plus vous automatisez, c'est le plus régulièrement possible. Avoir des expériences en quotidien, c'est essentiel, en fait.
Ouais, j'avais un peu la même réponse. C'est comme ce qu'on a tendance à dire sur les tests unitaires, c'est que c'est le premier qui est coûteux. Mais une fois qu'on a mis en place la démarche et tout ce qu'il faut pour faire l'exécution, et tu le disais, Sylvain, c'est souvent dans les plateformes d'intégration continue qu'on retrouve ces tests de chaos. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul sur l'automatisation et suffisamment d'outillage sur l'automatisation pour pouvoir se dire, on peut commencer de manière récurrente et automatisée, même si c'est sur un petit périmètre, et puis plutôt travailler sur l'extension du périmètre a posteriori, plutôt que se dire, je fais un gros périmètre en one shot, mais finalement, je ne bénéficie pas de ce côté répétabilité, répétition que nous proposent les outils et qui sont de toute façon conçus pour être automatisés. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Quand on ne l'a jamais fait, quand on n'a jamais plutôt adopté cet état d'esprit de se dire, si je regardais ce qui ne marche pas, ce qui est déjà souvent le cas, ne serait-ce que dans nos tests unitaires où on fait plutôt le happy pass que le non-happy pass, en général, dès la première fois où on fait un game day ou une chaos experiment, on trouve des choses. La question à ce moment-là, c'est de s'arrêter et de se dire, OK, comment on fait le tri de tout ça? C'est quoi le triage de tout ça? Comment on met... on capitalise parce que si on commence à arriver avec... J'ai vu ça, en fait, moi, mais même dans les tests, on s'en rend compte, on commence à avoir finalement plein de signaux de type alerte, qu'elles soient automatisées ou manuelles, on se retrouve avec une fatigue. Et les gens commencent à dire, oh, j'ai pas le temps, tu me saoules avec ton truc. Donc, je pense que c'est important de le faire une fois et de se rendre compte de là où on en est, déjà de là où on part. Et à partir de là, de voir ce qu'on est en capacité de mettre en place. Ça peut être une fois tous les mois, une fois tous les trimestres, si vraiment on est en surchargement. Mais il ne faut pas le faire trop éloigné, parce que sinon, ça n'a pas d'impact énormément non plus. Mais déjà, je suis d'accord avec toi, petit périmètre, et puis en faire un ou deux sur une session courte, enfin une session, et puis de se dire, OK, on en fait quoi de tout ça? Parce que si on n'est pas prêt à tacler les problèmes qui seront remontés, il y aura une frustration qui va se créer, et puis au final, on va se dire, bah, ça ne sert à rien, alors que ce n'est pas le cas, en fait. Donc, c'était toujours intéressant. Je pense qu'on a un plus gros succès quand on a un management qui est favorable à la pratique et à ce qui en découle. Après, ce qui est important aussi, ce n'est pas que les équipes IT, c'est d'élargir un peu le périmètre, comme tu l'as dit, hein, l'expérience utilisateur, ça compte aussi. Et du coup, on peut toujours introduire du chaos dans le système, non pas en attaquant directement l'aspect technique, mais on peut aussi avoir attaqué le chaos du côté expérience utilisateur. Donc, c'est aussi important d'élargir un peu et de faire participer toute l'entreprise. Comme tu dis, c'est un coût. Mais je pense que c'est une expérience qui est à promouvoir et on peut rendre ça, entre guillemets, interactif et se rendre compte que, mine de rien, un système informatique, c'est complexe, voire chaotique. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que un peu comme l'agilité, c'est-à-dire qu'en principe, si on faisait bien l'agilité, toutes les strates de l'entreprise seraient dans le Scrum. En général, on cantonne ça aux équipes techniques. Ici, c'est un peu pareil, effectivement. C'est-à-dire que comme on se rapproche de l'utilisateur final, on se rapproche forcément de l'impact sur le business. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que vous alliez mesurer, votre hypothèse, c'est de dire, mettons qu'on soit capable de mesurer le revenu quotidiennement, ça pourrait être ça, votre hypothèse, c'est de dire, nous, quotidiennement, on fait tant de chiffres. Forcément, si vous avez cette hypothèse, certes, ça peut être technique comme condition expérimentale, mais par contre, ça a un impact extrêmement fort sur quelque chose qui parlait probablement à tous les commerciaux, enfin, tous les autres strates de l'entreprise. Donc, voilà. Après, par contre, en général, on commence plus tôt. Il y a un langage qu'on utilise énormément dans le chaos engineering, c'est le blast radius. Donc, c'est le rayon de destruction. Et en fait, en général, on commence assez petit. Effectivement, si vous allez commencer direct par tuer une région complète chez Amazon, ça peut, il faut être prêt à le gérer, quoi. Il vaut peut-être mieux commencer par une instance, une VM, simplement. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va attendre une trentaine de secondes pour voir s'il y a des nouvelles questions qui arrivent. Et puis, si ce n'est pas le cas, on va vous souhaiter une bonne soirée en vous remerciant d'avoir assisté à ça, à ce talk. Alors, il faut qu'on prenne en compte le bilan. Ouais. Et donc, n'hésitez pas
à guetter l'actualité des remote classes de Zenica. D'ailleurs, prochaine remote class avec Antoine Cailly sur le sujet du low-tech web. C'est que je me rappelle la date. Il me semble que c'est le 23 juin. Voilà, le mardi 23 juin, oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi des remote classes qui sont organisées par les autres agences Zenica. Donc, n'hésitez pas à tout simplement suivre la chaîne YouTube. Vous les verrez apparaître. Super. Ah, on a une question qui est arrivée entre-temps. Ouais. Ce principe est-il applicable dans d'autres domaines que l'informatique, électronique ou mécanique, par exemple ? C'est une bonne question. Moi, je ne vois rien qui le contraigne puisqu'on est là en train de parler d'une approche, en fait. Donc, peut-être l'outillage est spécifique et les manières de protéger un peu ce sur quoi on travaille sont spécifiques, mais l'approche, pour moi, elle est applicable à n'importe quel domaine. En fait, on pourrait même imaginer qu'elle est dans un domaine type de marketing. Vous allez faire un tweet sur votre produit qui n'est pas bon pour regarder la réponse en fait des utilisateurs en fait. Et donc vous allez voir un peu sur votre système de production quel est l'impact de ça. Donc pour moi, oui, le chaos engineering, c'est une philosophie, c'est peut-être un peu, mais c'est une approche qui est complètement neutre. Elle s'apprête bien sur notre domaine informatique, mais elle est applicable n'importe où tant que l'outillage s'y prête, quoi. Il faut juste accepter qu'il y ait des failles, quoi. C'est ça le principe avant tout, c'est d'accepter qu'il y ait des failles et puis de savoir comment on va réagir à ces failles là, quoi. J'ai l'impression que sur l'électronique, même si ça s'appelle pas comme ça, c'est déjà appliqué, hein, sur des appareils électroniques, sur notamment du band test. On va essayer de voir comment se comporte le système électronique si on l'inonde d'un faisceau d'électrons, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, comment il réagit. Voilà, ça peut s'apparenter aussi au principe qu'on a décrit du chaos engineering. Bah, surtout au niveau de la température, toutes ces choses-là, les tests électroniques là-dessus, ça compte beaucoup, surtout avec nos PC, quoi. J'ai un exemple spécifique là-dessus, si je peux me permettre, là, rapidement. Quand j'étais étudiant, on a eu une section, un cours, une présentation avec un chef de projet. À l'époque, ce n'était pas un prof, c'était un chef de projet qui est venu nous faire du retour en expérience. Il nous expliquait, donc c'était fin des années 90, hein, je suis désolé, je ne suis pas tout jeune, et qu'il avait participé à un projet de déploiement des téléphones portables, alors de l'époque, hein, en France métropolitaine et dans certains DOM et TOM. Donc, ils avaient tout préparé, ça marchait nickel quand ils étaient ici. Puis, ils sont arrivés, ils ont envoyé les téléphones dans je ne sais plus quel dôme c'était, mais c'était un dôme où il y avait beaucoup plus d'humidité et de chaleur dans l'air. Ce qui a ruiné complètement, en fait, les téléphones. Et ça, c'est une condition auxquelles ils n'avaient jamais pensé en étant en métropole. Voilà, et c'est tout con, mais ils ne s'étaient pas rendu compte que ça pouvait arriver. Et donc, ça a ruiné l'ensemble de leur matériel parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient prédit en avance, cette humidité. Voilà, c'est un exemple que je trouve très parlant. Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Encore une fois, merci à tous de m'avoir reçu. Merci Sylvain d'avoir participé aussi. Et puis, on vous donne rendez-vous pour les prochaines remote classes et puis peut-être bientôt pour quelque chose de plus pratique autour du Chaos Engineering et du Chaos Toolkit. Merci Johan. Merci bien. Merci Johan pour la régie. Ouais. Merci Johan. Allez, bonne soirée.